Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Husky, comment allez-vous les gars? Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour ma toute nouvelle vidéo et le lancement de mon projet sur YouTube. Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, j'ai décidé d'interviewer un jeune joueur de Call of Duty qui a 14 ans, qui s'appelle DozeACR. Donc le gameplay présent c'est l'un des siens, il va faire une petite map sur Arcadez, donc rien de spécial hein, vraiment, et un score assez sympa d'ailleurs. Et donc voilà, j'ai décidé de l'interviewer aujourd'hui parce qu'il a, je pense, un niveau bien supérieur, enfin bien supérieur, il a un très bon niveau sur Call of Duty, et c'est pour ça que je voulais l'interviewer, étant donné qu'il n'a que 14 ans, donc beaucoup, je pense, de jeunes pourront s'identifier à lui, etc. Et donc, pourquoi pas lancer mon projet grâce à ça. Je vous remercie donc, je vous remercie aussi, pardon, excusez-moi, d'avoir posté énormément de candidatures, c'est-à-dire vous prenez mon projet très à cœur. Et je vous en remercie. Malheureusement, vous vous rendez bien compte que je ne peux pas interviewer tout le monde. Je peux pas faire 200 vidéos pour les 200 abonnés qui me proposent, etc. Donc voilà. Un grand merci quand même à vous de poster vos candidatures, de faire vivre mon projet. Et ça me. Voilà. Je tenais à vous en remercier. Même si vous ne passerez pas forcément dans mes vidéos, vous faire une petite dédicace à vous qui essayez de faire vivre ma chaîne. Donc aujourd'hui. J'invite DozeACR pour mon premier comment dire pour mon premier projet et donc bienvenue à toi Doz sur ma chaîne. Bah merci de m'accueillir. Ouais, pas de problème, tu sais bien. Et donc comme j'ai installé un peu comment dire le décor, donc tu veux présenter un petit peu ta classe avant qu'on passe aux questions? Alors je joue à la Scarelle silencieux, chargeur de grande capacité, 44 magnum, couteau tactique, tour de passe-passe, assassin et tracker, le tout en pro, avec C4 et radar portatif. Je joue avec les atouts spécialistes, pierre, bonne gâchette et silence de mort, le tout en pro. D'accord. Et ton mode de jeu? Mon mode de jeu, démolition. Démolition. C'est pas extrêmement courant. Moi, je n'y joue pas. J'y jouais beaucoup sur Modern Warfare 2, mais j'ai arrêté en arrivant sur MW3. Je jouais surtout à de la domination après. Et donc la démolition, ça fait plaisir déjà de me revo de revoir de la démolition. Et faudrait que tiens que je revienne sur tiens avec toi pour voir un peu de démolition, ce que ça donne, si savoir si j'ai pas trop perdu la main. Donc pourquoi pas refaire une partie, mais bon, ça on verra plus tard si jamais ça se fait. Et donc voilà, donc t'as présenté un petit peu ta classe. Et donc passons maintenant aux questions, donc à la petite interview. Comment tu t'appelles pour je Alors, je pense. m'appelle Audrey, Audrey, le masculin de Audrey. D'accord. C'est juste pour installer un peu le décor, tu vois, que les gens sachent un peu. Donc on a dit que t'avais 14 ans. Oui. Et d'où tu viens? Je viens de Lyon, en France. D'accord, donc de Lyon, donc Audrey, 14 ans, de Lyon. Encore merci de t'être abonné à ma chaîne, hein, parce que Bah, de rien. moi qui suis de Picardie, enfin voilà, tu viens de Lyon, moi ça me fait quand même quelque chose, tu vois. Enfin, Ah ouais, t'inquiète, pas de problème. alors c'est parti, donc on entre dans le vif du sujet. Et donc moi j'aimerais savoir personnellement depuis quand tu as démarré Call of, ou depuis quand d'ailleurs tu as démarré les FPS, les jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo depuis, je pense, allez, 6 petites années. Ouais. J'ai commencé sur du Pokémon et du Mario, hein, sur DS. Puis après, j'ai évolué, je suis passé sur PS3, sur Call of Duty, sur les FPS, donc Call of Duty, hein, Ah, pour tout de t'as suite. pas connu la Game Boy Color, non? Si, j'ai connu la Game Boy Color, mais j'y ai très très peu joué. Ouais, bah ouais, t'es arrivé dans le moment où c'était en pleine expansion en fait, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Ok, donc bon bah pas de problème. Tu as commencé les FPS quand? J'ai pas. Il y a 4 ans. 4 ans, d'accord. Et Call of Duty, donc pareil, 4 ans, c'est ça? 4 ans. Ouais, c'est D'accord. ça. Tu as toujours joué sur PS3 des fois? Enfin, oui, on a compris que t'avais joué sur DS et tout, mais les FPS, par exemple Call of Duty, toujours sur PS3, non? Je sais pas. Un peu sur PC, sur un jeu qui s'appelle Combat Arms, qui est développé par Next Gen Europe. Ouais, oui, je pense que ça dit. Je pense que ça parle à pas mal de monde, moi personnellement ça me parle. Et donc voilà, bon ok, donc niveau Call of Duty, ça va, franchement tu te débrouilles vraiment pas mal, on voit que c'est la première manche donc en démolition, t'as déjà tous tes atouts spécialistes, t'es dans une petite série déjà là. Ouais. Et donc la bombe en B, la dernière qui est posée, va sans doute péter dans 13 secondes. Ouais. Et donc voilà, donc vraiment un petit truc sympa. Et donc on continue ensuite, désolé, c'est. Alors, oulala, excusez-moi les abonnés.
À savoir aussi que c'est la première fois que je fais ça, donc soyez un peu indulgents. Ça fait déjà pas mal de fois qu'on recommence. Donc s'il y a des petits bugs, etc., excusez-nous. On continue donc les questions. As-tu une intention, l'intention de te faire une chaîne YouTube? Ou est-ce que tu en as une d'ailleurs même? Non, je l'ai pas encore, mais j'ai eu l'intention d'en ouvrir une, oui, pour faire connaître un peu mon talent à, bah, la communauté, hein, tout simplement. Parce que c'est vrai que, ou n'empêche, que beaucoup de gens, il faut le dire, que beaucoup de gens sur YouTube viennent chercher des gameplays d'exception. Hein. C'est ça, faut le dire quand même. Ils viennent chercher Ouais. des gameplays d'exception ou des commentaries d'exception. Alors, je vous arrête tout de suite. Hein. Ceux qui pensent que je fais des commentaires d'exception, non, non, j'ai jamais dit ça. Mais c'est vrai que beaucoup de gens dans la communauté viennent chercher des commentaries d'exception ou des gameplays d'exception. Et donc toi, tu penses que tu peux faire les deux? Enfin, tu peux faire les deux. Au niveau gameplay, je pense que tu peux gérer. Mais au niveau Ouais. commentary, qu'est-ce que tu as pour... Attends, au passage, tu as débloqué ta Moab. Hein, hein, Ouais. on dit, donc une petite Moab en démolition. C'est sympathique. Et donc, qu'est-ce que tu as, je pense... T'as pas peur que les gens viennent disliker tes vidéos étant donné que tu es un peu jeune, non? Je sais pas. Bah non, pas forcément. Il y a d'autres jeunes youtubeurs hein, du même âge que moi qui commencent sur YouTube et qui commencent très bien, comme OSystemX qui a 1000 abonnés. Tout à fait, tout à fait. Pour ceux qui ne connaîtraient pas OSystemX, je vous invite à aller voir sa chaîne, à taper OSystemX, hein. C'est pas compliqué à écrire. Sur YouTube, c'est vrai qu'il est jeune. Il est jeune et fait vraiment de belles vidéos et de bons carnages aussi. Ouais. Ça lui arrive. Et donc oui, c'est vrai, c'est pas plus mal. C'est pas forcément parce que t'as 14 ans que tu ne peux pas faire de vidéos sur YouTube. Je trouve que c'est vraiment une bonne réponse que tu viens de donner, du coup. Bravo à toi. Alors on enchaîne. Comment t'as réussi à avoir un tel niveau sur Call of? Moi ça m'intéresse. Comment t'as réussi à Bah, avoir... c'est jour après jour, hein. J'ai commencé sur Call of Duty, donc sur MW2. Ah, même pas Modern Warfare 1? Non, après Modern Warfare, vraiment. Hein. D'accord, donc MW2 ton premier Call of Duty. Ouais. Et du coup, j'ai commencé avec 0,98 de ratio. Ouais. Et après, j'ai petit à petit, hein, chaque jour qui passait, chaque mois qui passait, hein, j'ai évolué sur Call of Duty et j'ai réussi à atteindre mon niveau. Il n'y a pas forcément de forme spéciale, hein, toujours persister et voilà. Donc de l'entraînement, etc. Mais De bon, l'entraînement, voilà. on précise aussi, donc, comme on va parler un peu... est-ce que tu as une team, tiens? Oui, j'ai une team. Une team? Et comment elle s'appelle? Bah, explique-nous un peu. Alors, elle s'appelle la FASK, elle est créée depuis moins de 2 semaines. On est sur Elite, on D'accord. est 4 membres. Donc, il y a Christo2309 qui est dans la partie, il y a moi, donc X2ACR, Alex HG du 83 et Big Mac qui a intégré la team hier. Donc, voilà. Big Mac est présent aussi dans la vidéo. Big Mac est présent dans la vidéo, donc je tiens à leur faire une petite dédicace à Christo et à Big Mac. Donc, Ah, une deuxième Moab, tu m'avais pas dit ça. petite surprise de la vidéo. Une deuxième Moab, ça c'est... Qui c'est qui l'a débloqué? Christo2309. D'accord, ok, bah carrément, bon bah voilà, un gameplay double Moab. Enfin, pas double Moab de ta part, mais Christo et toi qui débloquez une Moab, c'est vraiment sympathique, je m'y attendais pas du tout en fait. Ouais. Donc ça peut faire connaître en plus votre team, parce que du coup, bien le gameplay, ça peut faire connaître votre team. Donc je pense qu'elle recrute, parce que 4 membres, je pense Bah qu'elle oui, elle recrute. recrute. On est en pleine expansion, hein, on recrute. Donc voilà. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Vous avez des critères de recrutement? Bah pas forcément, parce qu'on n'a pas, voilà, un super bel âge, 19 ans ou 20 ans. Hein. Donc on recrute de tout et juste avoir au moins 14 ans et un de ratio. C'est tout ce qu'on demande. D'accord, et pas forcément élite. Bah si vous avez élite, c'est toujours mieux, hein, et voilà. D'accord. Bah, le message est passé, en tout cas, je mettrai quand même si vous avez le PS, si je vous mettrai le PSN de Doz dans la description de la vidéo. Il répondra à vos questions si vous en avez encore. Je pense directement via ma chaîne, via les commentaires. Hein, je pense que tu peux faire ça Oui, s'il y a des oui, oui, messages oui. pour la team. Et donc voilà, allez, on continue. Donc d'ailleurs ta team, c'est quoi le nom? T'as dit le tag? FASK, donc ça veut dire Fun and Serial Killer. Ouais, Ah ouais, bon, ça c'est une petite team, ouais, c'est une team assez sympa quoi en fait. voilà. D'accord. Alors allez, on continue. Sur ma chaîne, je sais pas si tu as vu, un gars a posé une question que j'ai pas trop apprécié d'ailleurs, qui demandait il demandait si tu avais mué. J'ai trouvé ça un peu idiot, j'ai trouvé ça dommage, ça prouvait quand même un manque de maturité dans la communauté. Et donc quel serait ton message pour lui en fait?
Bah, c'est pas parce que j'ai pas encore mis que je suis pas plus mature que les autres. Donc là, la preuve, hein, la preuve en est que je suis plus mature que celui qui a posté ce commentaire. Donc, voilà. C'est pas faux, c'est pas faux. Au moins, voilà, ne t'arrête pas à ça, hein. Franchement, t'as du talent, ne t'arrête pas aux gens qui vont me dire que t'as une voix de merde, etc., tu vois. J'ai eu tellement de critiques, ouais, que j'ai une voix de merde, que je devrais jouer à Pokémon, Barbie et tout, que Ouais. maintenant ça me touche plus, hein. Voilà, bon, c'est très bien, c'est très bien. Alors maintenant, une question, moi, que je trouve, enfin, que je... un peu personnelle, je trouve. Est-ce que t'as déjà eu des moments de faiblesse, j'entends par là, est-ce que t'as déjà décidé, par exemple, d'arrêter Call of Duty, t'en as eu marre, est-ce que t'as déjà Non, eu j'en ai ce genre de... jamais j'y ai pensé, jamais, non, jamais. Jamais? Non, jamais, jamais. J'ai vraiment bien aimé cette série, donc Modern Warfare, World at War, j'ai vraiment bien accroché sur les Call of Duty et depuis, bah, je les lâche plus. Ouais, d'accord. Et bah justement, donc ça a été quoi ton meilleur souvenir sur Call of Duty? Bah, je crois que c'était mon ancienne team, en fait, la Fun, donc il y avait Christo et plusieurs membres. Et c'était composé de plusieurs membres IRL et non IRL. Et franchement, c'était une bonne team qui a duré presque un an, donc voilà, c'était vraiment un très bon souvenir d'être avec eux. Et voilà. D'accord, on enchaîne assez vite, hein. Il reste 22 secondes de vidéo. La dernière question que je pense que je vais te poser, qu'est-ce qu'en pensent tes parents? Le fait, parce que comme tu as dit, c'est de l'entraînement, donc tu dois être sans doute souvent sur la console. Alors qu'en Ouais. pensent tes parents? Bah, ils sont pas très d'accord au niveau que je joue trop à la console. Ouais. Puis après, bah, je reste trop de temps, donc ils sont pas trop d'accord. Et puis voilà, D'accord. après. Bon, voilà, donc c'est la fin de la vidéo, tu viens de gagner, donc vous venez de gagner les deux manches en démolition. Tu fais d'ailleurs la petite killcam finale, donc une double feed. Ouais. GG à toi. Merci. Attends que je vois un peu ton score. Bon, il va pas s'afficher maintenant. Mais en tout cas, donc je te remercie beaucoup d'avoir répondu présent pour lancer mon projet. Tu finis sur un 58-12 en démolition, rappelons-le, avec une double Moab. Encore GG à toi, je te remercie beaucoup beaucoup d'avoir lancé mon projet. T'as peut-être un petit truc à dire pour la fin? C'est pas grave, je rajouterai une image ou quelque chose. Bah, abonnez-vous à la chaîne de ski et puis voilà, hein. Il est gentil, lui. Ah, merci, merci vraiment à tous. Donc, un message pour vous, mes abonnés. Encore un grand merci de m'avoir suivi. Encore un grand merci de faire vivre ce projet, de me faire vivre ma chaîne. Sans vous, j'en serais pas là. Donc, un grand merci à vous. Je vous dis à la prochaine. Pour la prochaine vidéo, j'essaierai de vous interviewer un trickshotter, voir ce qu'il me présente, etc. Donc, un grand merci. Essayez de poser vos questions si vous en avez pour le trickshotter. J'essaierai de me démerder un maximum pour en faire passer un sur ma chaîne. En attendant, je vous dis portez-vous bien. Bye.